dîner. Il nourrit avec sa main pour voir à tous nos besoins. C'est bon des soupes avec lui. Tu crois ma Bible est tout? Nous irons en passant. Tout à tout. On d'abord dans Zacharie, chapitre 14. Tout à soi, ma quoi, Zacharie, sur la qui a le sixième verset. Mon star, wasita na wasaba. Ensuite, nous irons dans Matthieu, chapitre 8. Tout à soi, ma moumata, yo sur la qui a mounane. Kwanza mustara makumi mbili na tatu hadi makumi mbili na saba. Tutasoma matendo ya mitume sura yake ya kwanza mustari wa nane. Tunasoma. Mwa ile masiku hakutakuwa nuru. Kutakuwa baridi na mai makasa. Un jour unique connu de l'Éternel. Et t'as quoi si commode de ne conduire na tuna bwana? Et qu'il ne sera ni jour ni nuit. Yenye t'as quoi mchana wala usiku? Et vers le soir. Lakini kumagaribi. La lumière paraîtra. Nuru itaonekanika. Matthieu chapitre 8. Matayo sura ya munane. À partir du 23e verset. Kwanzia kumusari makumi mbili na tatu. Lisons. Tunasoma. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur?
gens de peu de foi. Alors il se leva, menaçant le vent. Et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Amen. Amen. Acte chapitre 1er. Somme matin dans mes tous le 8e verset. Mustari wanane. Mais vous recevrez une puissance. Lakini mutapokea uwezo. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Roho Mtakatifu atamjia. Et vous serez mes témoins. Na mtakuwa washuhuda wangu. À Jérusalem. Umu Yerushalemu. Dans toute la Judée. Na muyudee yote. Dans la Samarie. Musamaria. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Paka na kumwisho ya mipaka ya dunia. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Bwana Yesu bariki neno lake. Nous n'avions pas terminé avec notre sujet. Nous parlions du réveil au temps du soir. Dans ce thème où nous avions montré que nous voulions que cette année 2022 soit une année du réveil. Le réveil au temps du soir. Nous avions déjà vu que un réveil, c'est quand Dieu agit puissamment. C'est cela un réveil. Et nous avons vu que pour que Dieu agisse puissamment, nous devons être en communion avec lui. Et Dieu est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole a été faite. Être en communion avec Dieu, c'est être en communion parfaite avec sa parole. Quand on s'éloigne de la parole, on s'éloigne de Dieu. Et nous avions vu que c'est le péché qui coupe cette communion-là entre Dieu et les hommes. C'est le péché qui brise la communion. Et quand vous vous éloignez de Dieu, les miracles s'arrêtent. Les surnaturels s'arrêtent. Et même le réveil s'arrêtent. Vous devenez froid, indifférent. Vous avez de la sécheresse dans votre vie chrétienne, dans votre vie spirituelle, à cause du péché. Amen. 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 Et notre objectif, nous voulons réveiller l'église. Que nous-mêmes d'abord nous soyons réveillés. Que le Saint-Esprit en nous soit réveillé. Que Jésus qui est au milieu de nous soit aussi réveillé. Parce qu'il est là. Quoi, mais il dort. Lakini analala. Il se repose. Et qu'on a musique. Mais nous, lakini shiye, pendant que nous naviguons. Amen, comme les disciples dans la barque. Nous sommes en train de naviguer sur l'océan solennel de la vie. Et dans
Dans notre pèlerinage, dans notre voyage, nous rencontrons des tempêtes, des épreuves, des problèmes, des difficultés, des blocages. Alors quand on rencontre ces problèmes, ces difficultés, ces tempêtes, quelle doit être notre attitude? Faudra-t-il seulement se contenter de pleurnicher? Ou de se plaindre? Ou même de s'inquiéter? Jésus a dit, vos inquiétudes ne peuvent rien changer à votre situation. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par la prière et les supplications. Tu as une difficulté. Réveille Jésus. Parce qu'il est là. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Nous voulons un Dieu vivant. Un Dieu puissant. Nous avons besoin d'un réveil. Amen. Amen. Nous allons revenir sur le réveil. Mais maintenant que je parle un peu sur le temps de la fin. Passez le réveil au temps du soir. Il avait été prophétisé. Dans Zacharie 14. Qu'il y aurait un jour brumeux. Ya kwamba kutakuwa siku ya sawa vile ya mvuruko. Ce n'est pas un jour, on se demande c'est le jour ou c'est ni kusema ni siku yenyewe hakuna namna wako yua sema tuko mchana wala tuko mshiku. C'est comme quand il menace de pleuvoir. Ah, iko sawa vile wakati ile nekalaka mvule nafunga yulu kabisa. Vous êtes pendant la journée. Tuko katikati ya mchana. C'est déjà la nuit. Sasa njoo unaweza kuangalia kisi kuna wako ushi kabisa. Unaweza kusema inakuwa ni mshiku wala ni namna kai. Vous regardez, vous consultez votre montre. Unaangalia kusaa yako. Peut-être il est 12h. Sasa zingine tuko njoo ma 12h. Mais c'est comme si il faisait les lakini, kisi kuna kwa giza kabisa. Unaweza kuona tsa mshiku usha kuingia. C'est ça un jour brumeux. Njoo kusema njoo ile siku le soleil est omnibilé et caché par les nuages. Ni kusema jua iko hako lakini wenye kuifunika kwa ile mawingu. Jésus est là. Yesu yuko pale. Mais il y a des nuages. Lakini kuko mawingu. Percez, enlevez les nuages. Oui, tous les mawingo. Les nuages d'incrédulité. Tous ces mawingo yakutokwa mimi. Les nuages de péché. Tous ces mawingo ya zambi. Vous allez voir Jésus. Utamwona mo Yesu. Alléluia. Amen. Suivez un peu ce que frère Baram dit. Tout ce qui est quoi que nous devons annoncer. Dans le message. Dans les ujumbe. La fête des trompettes. Karamu ya parapanda. Il explique ça. Cette écriture de Zacharie 14. Nous lirons le paragraphe 234 et 235 et puis nous allons lire 240 et 243. Frère Baram dit, le prophète a dit. Anasema nabi alisema kaivi. C'est le prophète Zacharie. Ni ule nabi Zacharie. Le prophète a dit. Nabi Zacharie alisema kaivi. Il y aura un jour. Itakukutakuwa kwa siku. Dont on ne pourra dire si c'est le jour ou la nuit. Yenye tutashindoka kusema ya kwamba ni mchana wala ni busiku. Mais au temps du soir. Lakini kumagaribi. La lumière paraît. Nuru itaonekanika. Qu'est-ce que c'était? Sasa ilikuwa kanini? Le même soleil. Anasema ile yua moya moya. Qui brille à l'est. Yenye liko na waka kwa asubuhi. C'est le même soleil. Ni pake le jua moja moja. Qui brille à l'ouest. Jo ile tawaka itawangaza tena kumagaribi. Amen. Amen. 240. 240. Mais le prophète a dit. Lakini nabii alisema kata na hivi. Le fils. Anasema mwana. Ne brillera pas tout au long de ce jour. Yeye hata angaza musiku yote ile mzima hapa. Ce sera un jour ténébreux. Itakuwa ni siku ile itakuwa na giza.
Ils ont eu assez de lumière. Comme un jour très pluvieux. Pour leur permettre d'adhérer à l'église. De croire au Seigneur et ainsi de suite. Comme ça. Mais il a dit, au temps du soir, les nuages se dissiperont, les dénominations s'éteindront, et le même évangile, la même parole faite chair, comme il l'a promis dans Luc 17, le même évangile, avec la même chose, s'est produirait au temps du soir. Juste au moment où les ombres tombent, le même évangile, le même Christ qui a vécu dans la chair là-bas, là-bas au commencement, sur les gens de l'Orient, il vivra de nouveau dans les gens de l'Occident. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les gens de l'Occident, au temps de la fin, au temps du soir, la lumière paraît. Alléluia. Amen. Le même Christ. Christ moja moja. Quand on dit dans les gens, mais on commence d'abord par une personne. Parce qu'aussi en Orient, la parole a été d'abord faite chère dans un homme. Avant la Pentecôte. Avant que cette parole vienne sur d'autres gens, c'était d'abord dans un homme. La même scène se répète. Au temps du soir, le même Jésus. Alléluia. Amen. Le même Jésus. Au temps du soir, dans les gens de l'Occident. Ces gens de l'Occident, il y a d'abord une chair que Jésus a emprunté. Le même Jésus. La même puissance. Le même Dieu. Jésus dans tous les détails. À l'exception du corps. Le même Jésus. C'est cela la lumière du soir. Quand vous voyez Jésus, quand vous reconnaissez Jésus, dans cet homme-là, c'est l'expiation. Le pardon pour vos péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça ne devait pas s'arrêter là-bas. C'est une gerbe. Mais dans le champ, il y a d'autres gerbes. Au commencement là-bas, en Orient, c'est Jésus qui marchait. Il leur a dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur, il faut que moi je m'en aille pour que la promesse du Père s'accomplisse. Amen. 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 Il leur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Je m'en vais vous préparer. Et quand je vous aurai préparé cette place, je reviendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous connaissez où je vais. Vous connaissez le chemin. Je commence à regarder. Pendant ce qu'on regarde, je ne sais pas si c'est fini pour Pierre qui a dit. Je connais Philippe. C'est dans Jean 14. Seigneur, bon. Où est-ce que tu pars? Nous ne connaissons pas le chemin. Il dit au verset 7.
Transforma comme ça, si vous me connaissiez, kama munge lijua, vous connaîtriez aussi moi. Et dès maintenant, na hapa sasa, vous les connaissez. Kwanzia hapa sasa munajua, et vous l'avez vu. Na munayona. Philippe lui dit, Philippe akamwambia hivi, Seigneur, Bwana, ça nous dépasse. Montre-nous seulement le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus s'est retourné et dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montrer le nom de Dieu? Donc tu es avec moi, tu ne me connais pas. Ils étaient avec Jésus. Mais regardez ailleurs. Qui m'a vu? A vu le Baba. Quand vous croyez, la parole révélée dans l'âge, vous avez vu le Père. Unaona Baba. Hey. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est ce Jésus-là. Ni où les Yesu les qui promet d'envoyer le consolateur. Amen. Amen. Après sa mort, kisha lufulu wake, kisha kuzikwa, et sa résurrection, na kisha ufufuko wake. Alléluia. Amen. Jésus, Yesu, monte. Akapanda. C'est là, là nous sommes dans Acte chapitre 1er. Pale sasa toko matendo ya mitume sura ya kwanza. Jésus est parti. Avant de partir, Yesu kabla ya kwenda, il dit, alisema kaivi. Je vais lire en ce temps, Acte chapitre 1er, le 3e verset d'abord. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves. Il se montra à eux pendant 40 jours. Et parla des choses qui concernent les œuvres de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis, ils demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais lakini, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes à Jérusalem, dans toute la Judée, yote, dans la Samaria, jusqu'aux extrémités. Amen. 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 Il pose encore la question. Il vit en Aulisaté, non? Non, non, c'est. Verset 9, après avoir dit cela, alléluia. Amen. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regarde. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient le regard fixé vers le ciel. Pendant qu'il s'en allait. Voici deux hommes. Vêtus de blanc. Leur apparu. Et dit,
homme galiléen. Eh, neni watu wa Galilaya. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Namna gani mnasimama hivi na kuangalia mbinguni? Ce Jésus. Uyu Yesu. Qui a été enlevé. Mwenye ananyanyuliwa. Au ciel. Kumkwenda mbinguni. Du milieu de vous. Katikati yenu. Reviendra. Atarudiaka. De la même manière. Paka mui namna. Que vous l'avez vu. Yenye mnamuone kona enda kunyanyuliwa kwenda mbinguni. Alléluia. Amen. Aimez-vous le Seigneur? Munapenda Bwana? Aimez-vous la parole? Munapenda neno? Nous l'aimons de tout notre cœur. Tunaipenda na moyo wetu mzima. Amen. 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 Attendez, je vais vous lire. Oh, bien-aimés frères. Eh, wapendwa ndugu na watata. Attendez. Ce Jésus, que vous avez vu, mwenye munaona Allah au ciel, mwenye mukonona nenda mbinguni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reviendra de la même manière. Atarudia mwile namna moja moja. Si vous avez été attentif, kama mulifuata kabisa usome mulisikia na usikilifu, verset 8. Jésus promet. Yesu konalaka. Avant même de faire la promesse, il leur recommande de ne point quitter Jérusalem. Mais d'attendre la promesse du Père. Adi ya baba. Ce que je vous ai annoncé. C'est que c'est dans ce moment que tu rétablis le royaume d'Israël. Ce n'est pas à vous de connaître ce que le Père a fixé par sa propre parole. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit. Amen. 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 Le Saint-Esprit c'est qui? C'est Jésus. Ni Yesu. Amen. Amen. Il y a la promesse du Saint-Esprit. Kuko adi ya Roho Mtakatifu. Et puis quand il part, na kisha ye kwenda, ils ont le regard tourné vers le ciel. Boba aliangalia paka mbinguni. Les anges leur apparaissent. Ivi ba malaika bakabonekania. Vous homme galiléen. Galilée. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder? Ni namna kanimu na shimama kuangalia kusimu hino. C'est Jésus. Uyu Yesu. Que vous avez vu être enlevé. Mwenye munaona nyanyaliwa katikati yenu. Atarudia mwi namna moja moja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit. Ndoku Branham na sema hivi. Aimez-vous serez ceci. Dans un message, un véritable signe perdu de vue. Anasema ishara kubwa kabisa lakini yenye bato baone. Je crois que la cabine vous n'avez pas ça, vous pouvez seulement écrire. Na wazia mwe ba kabine amuna nayo, mwenezi tu kuandika. Un véritable signe perdu de vue. Anasema ishara kubwa kabisa yenye hayonekane wale bato baitambue. Ou qui est perdu. Wala yenye kupotea kumacho ya bato. Un message que l'avait prêché les 12 novembre 1961. Ilikuwa ni ujumbe wenye kupiriwa tarehe ya 12 mwezi wa 11 mwaka wa 1962. Paragraph 180. Kipindi cha 118. Frère Branham. Nduku Branham yuko nasema hivi. Est-ce que vous êtes prêts? Muko tayari kusikia? C'est comme ça qu'il pose la question. Njoo vile yeye anauliza. Est-ce que vous êtes prêts? Muko tayari? Si vous êtes prêts, dites amen. Kama muko tayari museme amina. Dites amen comme les gens qui sont prêts. Museme amina sasa vile watu wanakuwa tayari. Est-ce que vous êtes prêts? Muko tayari? Il dit. Anasema hivi. Le dernier livre dans la Bible. Anasema kitabu kia mwisho ndani ya Biblia. C'est quel livre? Ni kitabu gani? Apocalypse. Ufunuo. Le dernier livre dans la Bible. Anasema kitabu kia mwisho mu Biblia. Nous montre. Kiko natuonesha hivi. Qu'il y aura un retour de lui. Kutakuyaka kurudia kwake yeye. Dans les derniers jours, à l'église des gentils, un signe. Oh, comme il le manque. Les gens manquent le signe. Les gens manquent de reconnaître que Jésus est descendu sur la terre dans
dans la chair humaine. Jésus s'est manifesté. Yes, pas son propre corps. Ce corps-là ne peut pas piétiner la terre. Il est avant que cette terre ne soit purifiée par le feu. Il descendra sur la terre dans le millénium. Mais avant le millénium, il y aura l'enlèvement. Nous allons les rencontrer dans les cieux. Nous allons monter. Tout à panda. Nous monterons. Tout à panda. Quand il fut enlevé, les disciples étaient là. Ils l'ont vu monter. Ils ont dit, ce même Jésus. C'était la colonne de feu là. Quand on dit ce même Jésus. C'était la colonne de feu. C'était le Galiléen. Ce même Jésus. Que vous voyez, de la même manière. Le même corps là. Il est mouillé, moi, moi. Mais ici, il est dit. Ça, ça pas dans ma vie. Alléluia. Amen. Le dernier livre. Anasema, kitabu qui a dans la Bible. Ndani ya Biblia. La révélation. Ufunuo. Nous montre. Niko na tonesha hivi. Il y aura. Ya kwamba kutakuyaka. Un retour de lui. Kutakuyaka kurudia kwake yeye. Dans les derniers jours, ya mwisho, à l'église des chants, kwa kanisa ya watu mataifa, ainsi, kwa itakuwa ishara, comme il les manque, les gens manquent. Sawa vile bantu wanapusa kuona hii ishara. Il a prophétisé na alitabiri hivi, de venir de nouveau ya kwamba atarudia kupya, avant la grande et seconde venue du Seigneur. Kabla ya kurudi kubwa kabisa kwa mara ya pili kwa Bwana. Il a prophétisé. Yeye doit de venir de nouveau avant la grande seconde venue. Avant la grande seconde venue. Jésus vient. C'est un signe. C'est le dernier signe. Avant la grande seconde venue. Jésus. Le même Jésus. Le même soleil de la justice. Il va se manifester. Chez les gens de l'Occident. Lui qui avait habité. Dans les gens de l'Orient. Va encore habiter. Dans les gens de l'Occident. En Occident. Cette fois-ci. Il emprunte un corps. Il se cache derrière un corps. Il vient devant son peuple. Et frère Madame prêche. Dieu dévoilé. Mungu mwenye kufuchama. Non. Dieu dévoilé. Kufunuliwa. Dévoilé, ça veut dire. Il a été caché. Mais après ça, il est dévoilé. Dans cet âge, Dieu s'est voilé. Frère Branham vient devant l'église. Je vais vous prêcher aujourd'hui. Dieu dévoilé. Il revient encore. Je vais vous prêcher. Le Dieu puissant. Mungu wa uwezo. Dévoilé devant vous. Mwenye kufunuliwa mbele yenu. Devant vous. Mbele yenu. Devant vous. Mbele yenu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il s'est caché. Yeye alifucha. Mais il se refait. Lakini analifunua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après qu'il ait manifesté. Kisha yakonekanisha. Cette gerbe agitée. Il devait venir. Alipasha ku habiter dans les hommes. Bikala ndani ya bantu. Comme ce fut en Orient. Sable le les jours de la Pentecôte. C'est pourquoi il dit. Alléluia. Ah. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Okay. Amen.
Comment ça va? Il est né en Assas. Très bien. Ciao. Je termine la citation. Niko na maliza no kui. Il dit. Alasse ba ivi. Il a prophétisé. Yeye alitabiri ivi. De venir de nouveau. Ya kwamba tarudi ya kupia. Avant la grande seconde venue. Abla hii kuja kubwa na kwa mara ya pili. Dans Malachie 4. Malachie ya ine. Et révélation. Na mufunuo. Aussi le troisième chapitre nous dit qu'il sera ici dans les derniers jours. Qui même qui remplacera l'infraction pour les gens avec un petit troupeau que Dieu lui donnera. Il viendra dans les derniers jours. Dieu l'a dit. Il sera un signe à cette nation gentille que son temps est terminé. C'est pourquoi quand on voit Apocalypse 10 s'accomplit, l'ange puissant qui descend, il pose son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, il lève la main et dit, il n'y aurait plus de temps. Quand on voit ça, c'est que les temps de gentils sont terminé. Maintenant nous vivons dans la grâce. C'est la période de la grande longanimité de Dieu. Dieu attaque que les retardataires entrent. Amen. C'est pourquoi je continue avec la fête des trompettes. Naendelea na hii karamu ya parapanda. Il dit, anasema amo hivi. Au paragraphe 243. Kipindi 243. Le Saint-Esprit. Anasema Roho Mtakatifu. A été lié. Yeye alikuwa mwenye kufungwa. Par des fleuves dénominationnels. Oui, jito ya mazehebu. Depuis près de 2000 ans. Karibu na miaka 2000. Mais lakini, il doit être délié au temps du soir ya magharibi, par le message du temps du soir. Ujumbe ya wakati ya magharibi, le Saint-Esprit dans l'église de nouveau. Celui qui avait habité dans les champs de l'Orient. Il est encore habité dans les champs de l'Occident. Le Saint-Esprit. Dans l'église. Ndani ya kanisa. De nouveau. Mkupia tena. Suivez maintenant. Vous faites quoi? Christ lui-même. Anasema hivi ni Kristo peke yake. Révélé. Christ peke yake mwenye kufunuliwa dans la chair humaine. Mumwili ya mwanadamu. Au temps du soir. Wakati ya magharibi. Il a dit. Alisema kaivi. Il l'a promis. Na alitalila kaka. Christ lui-même. Christ peke yake. Revelé. Mwenye kufunuliwa dans la chair humaine. Mumwili ya mwanadamu. Au temps du soir. Wakati ya magharibi. C'est cela la lumière du soir. Itakuyaka ni nuru ya magharibi. C'est ce qui apporte le réveil au temps du soir. Christ lui-même dans la chair humaine. Christ revenait. Frère, il y a des choses quand nous les voyons s'accomplir, là nous disons ça, c'est seulement Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons la promesse du Fils de l'homme. On voit un homme de Kentucky. Je ne vous connais pas. Mais je vais vous tourner les yeux. Et il commence à discerner. Ça, c'est le signe du Messie. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Amen.
Amen. Moi, Mie, je peux prier. Mie, je ne peux pas vous donner. La kutupia mukongo, je vais kutupia mukongo. Oh, sœur, sœur. Asema wewe tata fulani. Vous avez le droit de me dire, pasteur. Mulungu na kwata kwenye pese pasteur. Arrêtez. Oui, shimamisha, shimamisha. Ça, ce n'est pas toi. Ah, ah, iya na weye. Dans un âge, Mukizazi, il n'y a qu'un seul. Kuna kuyaka moya. Dans cet âge, Mukizazi, Mungu, c'est révélé dans la chair humaine. Mwili ya mwanadamu. Quelle chair. Mwili kani. William Marion Branham. C'est cela qui a apporté le réveil au temps du soir. Joye ne kuleta kila mwishi mwakati ya mangaribi. Le réveil au temps du soir. Kila mwishi mwakati ya mangaribi. Yo kili anzishwa. Frère Branham. Nanduku Branham. Je veux vous lire ce qui s'est fait. Tabisobe ke kina tendeka. Frères et sœurs, Banduku na madad. Jésus. Yesu a été révélé. Yali funuliwa. Dans la chair. Mumwili ya muntu. C'est Dieu dévoilé. Ni Mungu bwana kufunuliwa. Dévoilé, c'est révélé. Kufunuliwa ni kusema kufunuliwa. Jésus. Yesu. Bwana kufunuliwa mumwili. Mungu bwana kufunuliwa. Dieu puissant. Una wa Mwenyezi. Bwana kufunuliwa mbele ya bantu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez ça? Mon appenda yi. C'est le message. Nyo ujumbe yi. C'est la parole. Injo neno. C'est ça Jésus-Christ aujourd'hui. Dieu Jésus-Christ wa leo. Et Jésus-Christ aujourd'hui. Jésus-Christ leo. C'est Malachi 4. Ni Malachi ya inde. Que ceux qui croient disent amen. Oh. Eh. Amen. Dites à votre frère. Ambiant du coup, c'est bon. Nalisika Muzuri Kabisa. Nalisika Muzuri Kabisa. Nalisika Muzuri Kabisa. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est ça? Jésus. Qui est ça? Jésus. Acclamons pour le Seigneur. Touche Anguille et Kabissa, bon Jésus Christ. Alléluia. 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 Amen. Aimez-vous le Seigneur? Munapenda bwana? Il faut l'aimer. Inapaswa kupenda bwana kabisa. Il faut l'aimer. Inapaswa kumupenda kabisa. Amen. Amen. Il faut l'aimer. Inapaswa kumupenda kabisa. Attendez, je vous lis la déclaration. Muchunge ni misome manuku. Alléluia. Amen. Très bien. Kumuzuri kabisa. J'aime le Seigneur. Voilà. Ciao. Attendez, je vous prends l'écriture. Mchunge, niko naangalia andiko. Voilà. Ciao. Bien. Ça. Bien. Ça. Je vais lire d'abord 212 dans essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Tout à soma miambili kuminambili. Mumaubiri ni kuita ya kwamba kujaribu kutumikia Mungu nje ya mapenzi yake. Amen. Amen. Suivez au paragraphe 212. Fateni kukipindi miambili. Frère Mbili. Ntuko banama nasema hivi. Oh, il a promis. Anasema japo alilakaka. Il a promis cela. Yeye alilakaka vile. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour. Na ile ikolonesha sema Biblia ni ya kweli paka na leo. Ainsi. Kwa hivi.
que Sodome et Gomorre. Sodome na Gomorre. Élie n'était pas. Nasema Élie a chikukuyake. Ce n'était pas Élie. Aikukuyake Élie a pas. C'était l'esprit de Dieu sur Élie. Il kuyaka niro ya Mungu juu ya Élie. Élie n'était qu'un homme. Élie ya alikuwa tu ni muntu. Bon, on en a eu des Élie. Ivi tulipataka ba Élie. Des par-dessus d'Élie. Tulipataka mankochi ya Élie. Des manteaux d'Élie. Tulipataka mankochi ya Élie. Et tout d'Élie. Na bingine bikufuata yote bya Élie. Mais lakini l'Élie d'aujourd'hui. Élie wa leo. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans le message essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté qu'il avait prêché le 27 novembre 1967. Quand Malachi dit je vous enverrai Élie le prophète. Il a dit il y a eu Élie. Anasema Élie alikuwa kaka. Élisée tout ça les manteaux. Elisha na bengine mankocha Élie. Lakini ce n'était pas du tout Élie. Aikukuya ke Élie a tout à part. Ce n'était pas le même Élie de Tishuvit. Aina paka ule Élie kutushima ndio anapaswa kurudi hapana. Alléluia. Amen. Ce n'était pas Élie. Anasema kuke Élie a part. C'était l'esprit de Dieu. Ilikuwa ni roho wa Mungu sur Élie. Ajuu ya Élie. Cet esprit de Dieu là. Il est roho ya Mungu ile. Était d'abord sur Élie de Tishuvit. Ilikuwa kapele kwanza kwa Élie watushiba. Quand cet esprit là. Wakati ile roho est revenu sur Élie. Inarudia pa Elisha. C'était Élie sur Élie. Ilikuwa ni roho ya Élie juu ya Elisha. Le même esprit. Il est roho moya moya. Était sur Jean-Baptiste. Ilikuwa tete pa Yohana Mbatizaji. Amen. Amen. Le même esprit. Pas quel est Rome ya moya ile. Est revenu aujourd'hui chez les gens. Il a dit aller combattre tout ma taifa. Sur Branham. Yulu ya Branham. Après l'enlèvement. Na kisha unyakuo. Cet esprit. Pas quel est Rome ya moya. Va se manifester. Il t'aide à kujonekani chakule kwa mayahudi. Pour qu'ils reconnaissent. Tu ya bwa kutambua mashia wapo. Mes frères vont me dire. Donc maman c'est ma fille. Ce n'était pas Élie. Aikukuya ke Élie hapana. C'était l'esprit de Dieu. Il quoi ni roho ya Mungu. Sur Élie. Juu ya Élie. Élie n'était qu'un homme. Elia hier quoi pas comme un tout. C'est comme frère Branham n'était qu'un homme. Il consente du coup Branham à quoi ni monte. Elia n'était qu'un homme. Elia quoi pas comme un tout. Frère Branham n'était qu'un homme. Attends du coup Branham à quoi pas comme un tout. Mais la kini. On a eu des Élie. Tu ne pas ta Élie. Et par-dessus d'Élie. Tu ne pas ta mancoche à Élie. Des manteaux d'Élie. Tu ne pas ta mancoche à Élie. Et tout d'Élie. La biote bleue menace ma toujours maman Élie. Mais la kini. L'Élie d'aujourd'hui. Élie Waléo. C'est le Seigneur. Libwana Jésus Christ. L'Élie de Malachi. Élie wa Malachi aine. C'est le Seigneur. Libwana Jésus Christ. Élie de Malachi. Élie wa Malachi aine. C'est le Seigneur. Libwana Jésus Christ. Si je dis ça, je ne dis pas que frère Branham c'est Jésus. Mais je sais même que Branham n'y est pas. L'esprit. La kini ro. L'esprit qui était sur ro. Ya Elia. Ro. C'est lui qui agissait. Où la monnaie de quoi n'a c'est lui qui nous a parlé. Où la monnaie tout s'est passé à l'heure. C'est le Seigneur. Le bon Jésus Christ. Que ceux qui croient disent amen. Ben que les croyants disent amen. Dites un amen comme des croyants. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est très bien ça. Hey, il est comme ça. Vous vous sentez bien? Saluez votre voisin. Vous vous sentez bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit. Anasema hivi. Mais l'Élie d'aujourd'hui. Lakini Élie wa leo. C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu Kristo. Il doit venir. Yala pasha kuya. Selon, il dit d'abord selon Matthieu 17 ou plutôt Anasema Luc 17 et 30. Kufuatana matayo kuna pana ni Luka 17:30. Le fils de l'homme. Mwana wa mtu. Doit se révéler. Anapasha kujifunua. Parmi son peuple. Katikati ya umma yake. Pas un homme. Hapana mtu. Mais Dieu. Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pas un homme. Apana muntu. Dieu. Mungu. Mais ça viendra à travers un prophète. Lakini atakuia kupitia nabii. Dieu là. Mungu le. Qui se révèle aujourd'hui. Mwenye kufunua leo. Dieu puissant. Ule Mungu wa wewe. Mwenye kufunua mbele yetu. Pas un homme. Apana muntu. On n'a pas besoin de voir si l'homme. Si yatuna na itaja kona muntu Branham apa. Nous voulons voir Jésus. Si tu n'as pas de kuona Yesu. Monsieur.
voir Jésus. Pas un homme. Dieu. Mais la kin. Ça viendra à travers un prophète. Il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps. Jamais. Peu importe combien il y a, deux têtes ne peuvent pas. Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un seul homme sous son contrôle. Voyez, il y a un seul Dieu. Il y avait le Père, le Fils Mwana, et le Saint-Esprit. Mais un seul Dieu au-dessus de tout ça. Remarquez qu'il ne faisait qu'utiliser ses fonctions. C'est ce qu'il a fait avec Élie. L'esprit d'Élie. Il utilisait cet esprit. Mais c'est le même Dieu qui le contrôlait tout le temps. Pour accomplir sa parole. Que les croyants disent amen. Alléluia. Amen. C'est très bien ça. C'est très bien. 220. Mais maintenant, lakini hapa sasa, c'est l'appel de l'épouse. Ni wito ya bibi harusi. C'est maintenant que les sept sceaux ont été ouverts. Ni hapa sasa njo miuri saba inafunuliwa. C'est maintenant que ni hapa sasa njo, ce que les réformateurs avaient laissé de, doit être révélé. Kenye hapa bote baliachaka kupembeni binapasha kufunuliwa sasa. Il n'y a que Malachi 4. Kuko tu Malachi ya ine qui puisse le faire. Njo ule anapasha kufanya vile. Révéler tous les secrets. Kufunua masiri yote. Il n'y a que Malachi 4. Kupaka Malachi aine. Dans Malachi 4. Dans Malachi aine. Il y a l'Eli. Mukwa mo Elia. Cet Eli là. Na ule Elia. C'est l'esprit de Dieu. Ni roi ya Mungu peke yake. Et l'Eli d'aujourd'hui. Na Elia wa leo. C'est le Seigneur Jésus. Ni bwana Yesu Kristo. Qui révèle la parole. Mwenye kufunua neno ni nani. C'est Jésus lui. Ni paka Yesu ye moya. Et ceux qui croient disent amen. Mwenye kuamini basema amina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que Malachi 4 qui puisse le faire. Parce qu'il faut avoir une révélation venant directement de Dieu. À un individu. Pour pouvoir faire cela. C'est vrai. Ça ne peut pas venir à un groupe. Ça ne peut jamais arriver. Un seul homme. C'est ce que Dieu a promis. Par le type de sa venue pour son épouse. A kupitia mufano ya kuja kwake kupitia bibi harusi wake. Eliezer. Eliezer moya. Celui qui vient chez. Eliezer n'était pas Isaac. Eliezer est-ce que Isaac apana? Abraham avait envoyé son Abraham alitumaka mutumishi pour chercher une épouse. Juu ya kutafuta bibi harusi. Aujourd'hui c'est l'épouse qui est appelée. Leo ni bibi harusi ndio anaitwa. Mais Dieu ne nous a pas envoyé beaucoup de gens. Mungu asitutumie bantu wa mingi hapana. Un seul muntu moya tu qui était sous le contrôle de Dieu. Mwenye alikuwa muongozi ya Mungu. Un Eliezer. Eliezer wa leo. Ne confondez pas Eliezer avec Isaac. Eliezer na Isaac ne confondez pas frère Branham avec Jésus. Frère Branham vient chercher une épouse pour Jésus. Nous appartenons à Jésus. Si Eliezer. Eliezer. Celui qui est venu. Kuya, avec des chameaux. Avec des dons. Alléluia. Amen. Frère Branham. Branham avec des dons. Depuis que Dieu utilise les prophètes. Il n'a jamais utilisé un autre prophète. Comme Branham. Depuis notre. Mais frère Branham, c'est un Eliezer. Il cherche une épouse pour Jésus. C'est lui Isaac. Alléluia. Amen.
Quand il a trouvé Rebecca, alléluia, amen. Jésus n'est pas venu chez les Rebecca. Isaac n'est pas venu chez les Rebecca. Eliezer, alléluia, amen. Eliezer est venu. Il commence à rentrer. Rappelez-vous le signe. Rebecca avait nourri, avait abreuvé le chameau. C'était ça le signe. Dieu quoi Ishara. Et maintenant, Nasasa, Rebecca monte sur le chameau. Anapanda pagabea. Isaac avait quitté la maison du père. Isaac n'est pas arrivé chez les Rebecca. Abraham a dit, garde-toi. Isaac. C'est pourquoi Jésus ne mettra pas ses pieds sur cette terre. Rebecca arrive. Rebecca n'a fika. Isaac s'arrête. Eliezer s'arrête. Il dit regarde. Angaria. Frère Bam dit. Elle ne l'avait jamais vu. Mais elle a eu un coup de fou. Alléluia. Amen. Elle est allée. Naïve à Kaenda. Ce sont les chameaux. Il y quoi ni magamia. Elle avait servi. Ils l'ont amené jusqu'à Isaac. Elle est descendue. Naïve à Kachouka. Et a rencontré Isaac. A Kakutana na Isaac. Entre la maison d'Abraham. Il y quoi katikati à Nyumba Ibrahim. La maison de Rebecca. Là-bas. Il y quoi ni mukachikati. Là-bas. Kachikati. Dans les airs. Mumule mujangwa. Que ceux qui croient disent amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous aimez ça? Mon appel c'est le message. C'est la parole. Amen. Amen. Alors nous comprenons cette écriture. La fête des trompettes que nous avons lu, où le prophète dit, au paragraphe 240 d'abord, le prophète a dit, le fils ne priera pas tout le long de ce jour. Ce sera un jour ténébreux. Ils ont eu assez de lumière. Comme un jour très pluvieux. Pour leur permettre d'adhérer, de croire au Seigneur, et ainsi de suite. Mais au temps du soir, les nuages se dispersent. Les dénominations s'éteindront. Et le même évangile, la même parole faite chez, comme il a promis dans Luc 17, 33, le même évangile, avec la même chose, se produirait au temps du soir, juste au moment où les ombres tombent. Le même évangile, le même Christ, qui a vécu dans la chair, là-bas, au commencement, sur les gens de l'Orient, Jésus a vécu dans la chair. Yes, au commencement. Sur le champ de l'Orient. Amen. Amen. Il vivra de nouveau. Il dit dans les gens de l'Occident. Au temps de la fin. Au temps du soir. La lumière paraîtra. Maintenant, dans les champs de l'Occident. C'est là que j'ai complété cette autre écriture. Ce n'est pas un groupe de gens. Je n'utilise pas des prophètes. C'est un seul. Le même Dieu. Dans la chair humaine. Dans la chair du prophète. Dieu s'est révélé aujourd'hui dans la chair humaine. Quelle est cette chair? La chair de Branham. Alléluia. Amen.
C'est là que j'ai lu le paragraphe 243. Le Saint-Esprit a été lié à des fleuves dénominationnels depuis près de 2000 ans. Mais il doit être délié. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit est lié, il n'agit pas. Quand il est délié, qu'est-ce qui délie le Saint-Esprit? Il doit être délié au temps du soir par le message du temps du soir. Le Saint-Esprit de nouveau, Christ lui-même, révélé dans la chair humaine. Il a dit. Il l'a promis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, mes bien-aimés frères et sœurs. Comme le Saint-Esprit est délié, c'est le message qui est délié. Alors nous devons. Tu n'as pas choix. Nous unir au message. Tunapasha kuungana na ujumbe. Le message c'est la parole de Dieu. Ujumbe ni neno la Mungu. Frère Branham dit. Nduku Branham anasema hivi. La parole de Dieu. Anasema neno la Mungu. Vaincra Satan. Itashinda Shetani. N'importe où. Aizuru fashikani. N'importe quoi. Aizuru wakati kani. Et dans n'importe quelle circonstance. Aizuru iku ata tukio ya damu na kani. Présentez la parole. Wewe onesha tu neno. Et vous allez vaincre. Na utamushinda. Dans le message, le temps et le signe de l'union. Mujumbe wakati njo ishara ya munga. Proche le 18 août 1963. Yenye kubiria mutare 18 mwezi wa 8 1963. Kipindi 105. Frère Branham me dit. Nduku Branham anasema. Nous voyons tuko naona les Nations Unies. Tuko naona mataifa iko naungana. C'est ça autant d'histoire. Njo wakati ya magharibi tuko hii. Les Nations Unies. Mataifa iko naungana. Nous voyons. Tuko naona le monde s'unir. Dunia iko nenda na kuungana. Nous voyons. Tuko naona tena les églises s'unir. Makanisa nayo iko naungana. Nous voyons. Tuko naona tena l'épouse bwana harusi s'unir. Iko naungana s'unir avec la parole. Tuko naona bibi harusi iko naungana na neno. Nous voyons l'épouse Bibi Arusi s'unir avec la parole. Pourquoi? La parole est Dieu. Neno njo Mungu. Et comme la parole. Na, sawa vile neno. Comme l'époux. Sawa vile bwana harusi. Qui est la parole. Mwenye kwa neno. Et l'épouse. Na, bibi harusi. Qui écoute la parole. Mwenye kusikia na ye neno. Il se rassemble. Kama banapatana. Dans une union. Banakutana mumungano. Ils s'unissent. Banaungana. Comme dans un mariage. Sawa vile mundowa. L'enlèvement sera le souper de noces. Na, kunyanyuliwa itakuwa ni karamu. Le mariage se dit. Lakini ndoto natendeke hapa. Le baptême du Saint-Esprit. Ou baptizo wa Roho Mtakatifu. C'est ça le mariage. Jondo wa ile. Le baptême du Saint-Esprit. Ou baptizo wa Roho Mtakatifu. Amen. 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 Comme dans un mariage. Ça va vile mundowa. Vous voyez. Unaona? Il se prépare pour un mariage. Beko na jitayarisha tu ya ndoa. Ils deviennent un. Beko na kuya kintu kimoya. La parole devient vous. Neno hii inakuwa weye. Et vous vous devenez la parole. Na weye unakuwa neno. La parole devient vous. Neno hii inakuwa weye. Et vous vous na weye unakuwa na weye neno. Si tu deviens la parole. Kama unakuwa neno. Mes frères Branham dit. Ndoba anasema hivi. La parole vaincra Satan. Neno itashinda Shetani. Comme tu es la parole. Ça vile wao koneno. Tu vaincras Satan. Utashinda Shetani. N'importe où. Ata fashikani. N'importe quoi. Ata wakati kani. Et dans n'importe quelle circonstance. Ata tukio. Devenir la parole, kuya neno, c'est obéir à la parole. Nikuti kuneno. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit. Yesu alisema kaivi. En ce jour-là. Mwile masiku. Vous savez quoi? Munayua. Tout ce que le Père est. Bile kile kyote baba eko. Je le suis. Njo kile na mimi niko. Et tout ce que je suis. Na kile mimi na mimi niko hapa sasa. Vous l'êtes. Na moi njo kile muko na moyeye. Et tout ce que vous êtes. Na kile moi muko. Je le suis. Na mimi njo kile niko. C'est le mariage. Ni ndoa. Quand tu chasses les démons. Wakati unafukuza mapepo mchafu.
les démons regardent. Ils ne te voient pas. Abakoni. Ils regardent, ils voient Jésus. Il obéit. Banati. Mais si tu n'es pas marié à Jésus, il le regarde. Il veut te dire, mais toi qui es-tu? Je connais Jésus. Je connais Paul. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mina yua Paulo. Vous connaissez ce qui était arrivé. Mon aux enfants du sacrificateur, c'est pas. On l'a déchiré le sabbat. Donc, il faut que la parole soit vous. Et vous soyez la parole. Et Jésus a dit, tout ce que le Père, c'est la parole. Tout ce que le Père était, je le suis. Et tout ce que je suis, vous l'êtes. Et tout ce que vous êtes, je le suis. C'est ça le mariage. Amen. 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 Alors il dit. Anasema Ivi. Il dit. Anasema Ivi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Et moi en vous. Et vous en moi. Vous voyez. Non. En ce jour-là. Lequel? Sikukani. Aujourd'hui. Ni Léo. Nous voyons que les grands mystères cachés de Dieu sont en train d'être revenu. Oh, comme j'aime cela. Ça a vu la peine de Kabisa Io. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh là là, j'ai encore 10 minutes environ. Voilà, comme ça, on avance. Bien-aimés frères et sœurs. Nous allons encore dans. Nous allons essayer de réveiller Jésus. Dans le message réveiller Jésus. Qu'il avait prêché le 17 janvier 1963. Là, nous sommes dans notre scène de Matthieu, chapitre 8. Ils étaient en train de voyager dans la barque. Et Jésus était avec eux. Nous aussi, dans notre pèlerinage sur cette terre, comme des croyants, nous avons accepté Jésus. Nous l'avons accepté. Amen. Amen. Nous l'avons accepté. Nous le croyons. Il est avec nous. Il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai les consolateurs. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne les connaît pas. Il ne les voit même pas. Mais vous. Lakin, vous les connaissez. Il sera avec vous. Même en vous. Amen. Amen. Suivez. Frère Branham dit, il est toujours ici, Jésus donc. Paragraphe 130 et 131. Et puis nous allons lire 196 et 197. Il est toujours ici. Alléluia. Il est toujours ici. Mais nous sommes tout agités. Voyez, non. Comme eux autrefois, comme les disciples sur la barque. Là. Oh là là. Hey, pagayé. Ah. Qu'allons-nous faire après? N'y pensez pas. Tant qu'il est dans la barque, tant que Jésus est dans la barque, oubliez vos problèmes. Arrêtez avec les inquiétudes. À moins qu'il ne soit pas dans la barque. Tant que Jésus est dans la barque. Oubliez ça. Certainement. Akika. Eh bien, il n'avait fait cela uniquement que pour éprouver leur foi. Qu'est-ce qu'il avait fait? Lui, il est le maître des temps et des circonstances.
Jésus connaît toutes choses. Il connaît même ta situation. Il était avec eux. Mais il a dormi. Il savait que la tempête venait. Il a d'abord laissé la tempête le frapper. Frère Bara me dit, Jésus a fait ça pour éprouver leur foi. Pour ils ont la foi. Jésus peut permettre qu'une situation arrive pour voir si tu as réellement cru. Il a fait ça. Alléluia. Amen. Certainement. Il avait fait cela uniquement pour éprouver leur foi. Et notre Bible ne nous dit-elle pas ces épreuves qui nous arrivent sont plus précieuses que l'or. Ce n'est pas notre avis, mais la Bible a raison. Ce n'est pas ce que tu dis. Ça c'est plus que de l'or, ça. Personne ne peut souffrir comme Jésus. Même tes souffrances là ne peuvent pas être comparées à celles de Jésus. Mais Jésus c'était Dieu. Est-ce que toi tu peux jeûner 40 jours et 40 nuits sans manger? Faut jamais se comparer, faut jamais dire ça. Apanaka kwanza kulinganisha na Yesu. Yangu mateso na pita. Sema mimi na na souffrance ya mingi. C'est votre croix à porter. Kama unakuwa na mambo na kwambia sema elle n'est pas en bois, ça c'est en fer au moins. Ini msalaba yako beba. C'est un acier. Ini msalaba yako beba tu sana. Ya Yesu ilikuwa ya mbao, ini ya kiuma. Apana. Ce n'est pas comme ça. C'est pour éprouver votre foi. Ni juu ya kupima imani yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paragraphe 131. Kipindi mia moja makumi tano. Pouvez-vous vous imaginer Job? Il donne l'exemple de Job. Eko na leta mfano Ayubu asema mbonezi kuwaza ko Yobu. C'est réjouissant. Ayubu alikuwa na furai. D'être couvert d'une serre. Sawa vile alikuwa mwenye kufunikwa na bivimbo. Et d'avoir perdu toutes ces choses, toute sa richesse, ses enfants et tout, ce n'était pas très facile. Mais Dieu prouvait qu'il avait quelqu'un en qui il pouvait placer sa confiance. Peut-être que ce qu'il cherche à faire dans votre cas et pour vous autres. C'est peut-être ce qu'il cherche à faire dans votre cas. Amen. 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 Dieu avait éprouvé Job. Mungu alipimaka Ayubu. Job était un homme honorable. Ayubu alikuwa mtu wa kuheshimiwa, alikuwa na mali mingi, alikuwa na batoto. Et au ciel Dieu était avec les anges. Na kumbingu nako Mungu alikuwa na bamalaika. Job est allé aussi. Vous connaissez ça non? Munayua hii mambo pia. Mais ce dimanche là qui me regarde comme si non j'avais lu ça. Sasa vile leo siku ya Jumapili kuko bengine na bayuwe hiyo tuweze kuisoma tena. Tusome kwanza mwa Ayubu. Vous ne connaissez pas cette histoire? Bon, comme c'est dimanche, ça va venir le monsieur à Jumapili, tu y sois, mais tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job, chapitre 1er. Tu sommes à Yubu, sur la Kiakwanse. À partir du verset 6. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présentant devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Watoto wa Mungu balinda kujionesha mbele ya Bwana na Shetani pia akaja pia kujionesha mbele yao. Suivez maintenant. Fateni sasa. Verset 2.
L'Éternel dit à Satan. D'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel. Je viens de parcourir la terre. Et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu dit. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est Dieu qui témoigne pour Job. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Et droit. Craignant Dieu. Et se détournant du mal. 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? 10. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de Seigneur. Et ses troupeaux couvrent le pays. Donc Satan, Chetani, quand il s'est promené, Satan s'est interdit. Tourmenteur. C'est un méchant. Il voit Job. Il voit comment Dieu l'avait protégé. Comment Dieu l'avait béni. Il a béni le travail de ses mains. Il a béni ses enfants. Ses troupeaux sont partout. Retenez. Job a vu. Ayubu aliona, mais il n'avait pas touché. Lakini hakugusa. Rien, il n'y a rien qui puisse vous arriver sans que Dieu l'autorise. Hakuna kitu hata kimoya kinaweza kukufikia wewe kama Mungu hayaruhusia. Satan ne peut pas vous toucher. C'est pourquoi les épreuves, c'est plus que de l'or. Parce que c'est Dieu qui permet. Kwa sababu ni Mungu ndiye anayeruhusia. Job était bien. Ayubu alikuwa mzuri. Quand Satan dit à Dieu, tu l'as protégé. Répétez le verset 10. Ne l'as-tu pas protégé? Oui. Comment Satan savait que Dieu l'avait protégé? Peut-être qu'il voulait l'attaquer. La présence de Dieu. Ne l'as-tu pas protégé? Oui. Sa maison. Et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de sa main. Et ses troupeaux couvrent le pays. 11 maintenant. Mais étant ta mère, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Ce qui a autorisé à Satan de toucher au Seigneur, c'est Dieu. Quand quelque chose t'arrive, si tu es un fils de Dieu, sache que c'est pour ton bien. Vérifie si tu es dans la barque avec Jésus. Est-ce que Jésus est là? Si Jésus est là, oubliez ça. La situation est sous contrôle. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan s'est retiré devant la face de lui. Même ces épreuves-là, si c'est pour éprouver ta foi, ça ne va pas te tuer. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Amen. Mais ne touche pas ça. C'est pourquoi frère Branham dit, je rentre dans notre écriture, réveiller Jésus. Paragraphe 131. Pouvez-vous imaginer Job se réjouissant d'être couvert d'une serre et d'avoir perdu toutes ces choses?
toute sa richesse, ses enfants et tout. Ce n'était pas très facile. Mais Dieu prouvait à Satan qu'il avait quelqu'un en qui il pouvait placer sa confiance. Peut-être que c'est ce qu'il cherche à faire dans votre cas ou pour vous autres. Il te délaissera. Il va. Job Ayubu ne pouvait pas amener. On ne pouvait pas amener Job à faire cela. Non, voyez. Il cherchait à l'éprouver, c'est tout. Amen. Amen. Maintenant, 196. Donc, l'appeler Jésus. Pour confirmer sa part. Si nous le réveillons, gardons-le éveillé. Gardons-le éveillé en nous jusqu'à ce que nos doutes et nos agitations soient passés. Alors invoquons-le. Et dites, Seigneur, Bwana, tu as promis qu'encore un peu de temps, le monde ne te verra plus. Mais moi, je ne suis pas du monde. C'est le monde qui ne te verra plus. Mais moi, je ne suis pas du monde. Moi, j'ai la promesse de te voir. Je vais te voir dans cette situation, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur. Je dors affamé. J'ai des blocages. Et toi, tu es avec moi. Non. Papa, non. Moi, je ne suis pas du monde. C'est le monde qui ne peut pas te voir. Mais moi, non seulement je te vois, je crois que tu es à moi. Vous le réveillez. Il n'y a pas ce que vous l'avez dit. Il dit, oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Alors tu dis, tu as prié que je ne sois pas du monde. Qui croit que Jésus avait prié pour lui comme ça? Je t'ai prié pour cela que tu m'as donné. C'est dans quel livre? C'est Jean 17. La prière de Jésus. Ils ne sont pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Mais je te prie de les préserver du mal. Alléluia. Amen. Tu as prié que je ne sois pas du monde. Et je ne suis pas du monde. Je suis à toi. Frère, madame, nous montre comment il faut prier. Tu as dit, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Seigneur, je voudrais te déranger. Je voudrais te réveiller dans mon propre corps endormi. Mon propre cœur. Endormi à ses réalités. Réveiller Jésus. Viens à moi. Alors les doutes et la peur s'évanouiront. Toutes les agitations et les inquiétudes au sujet de oh, le médecin a dit ceci et cela. Il va faire telle chose. Je ne sais pas ce que je vais faire.
tout cela va s'arrêter. Parce qu'il est Dieu. Il parle. Et tout le reste se tient tranquille. Réveillez Jésus. Présentez-lui votre situation. Quand Jésus se réveille, tempête. Calme. Kimia. Quelle est ta situation? Qui veut réveiller Jésus? Réveillons Jésus. Lève-nous. Oh, bien-aimé frère. Bien-aimé, j'arrête à ce niveau. Oh, bien-aimé frère. Réveillons Jésus. Réveillez Jésus. S'il est dans la barque, ne t'en fais pas. De ce que le médecin a dit. De ce que la voisine a dit. De ce que ton voisin a dit. Ou de ce que la tante avait dit. Toi, on ne va pas t'épouser. Toi, tu n'auras pas d'enfant. Toi, tu n'auras pas d'enfant. Quand tu réveilles Jésus, ne t'inquiète plus. Amène-le à prononcer la parole. Amène Jésus à te donner sa promesse. Accroche-toi à sa promesse. Quand il parle, tout se calme. Ne crains point, petit.